Je me nomme Mamadou Traoré. Je suis professeur de lycée et collège depuis 1992. Cela fait donc 25 ans que je suis dans l'administration publique en tant que fonctionnaire. Alors, je peux dire que j'ai eu la grâce vraiment de mener une carrière professionnelle assez riche. Parce que, en plus de ma fonction de professeur, j'ai été directeur régional du tourisme. À côté de cela aussi, après cette fonction, j'ai été aussi directeur central au ministère de l'intégration africaine. J'ai été directeur de la solidarité. J'ai été aussi le conseiller spécial du coordonnateur du programme national de réhabilitation communautaire. J'ai été directeur général de l'Institut national de formation sociale, l'INFES. J'ai été conseiller technique du ministre de l'Emploi, le ministre Kafana. J'ai été aussi conseiller technique de la ministre Mariette Kone, ministre qui est en charge de la famille, de la femme et des enfants. Au niveau politique, je suis militant du RDR depuis 1995. Et à côté de cela, après ça, j'ai mené des combats qui m'ont mené à être président du comité de base au niveau du RGR. J'ai été aussi le tout premier secrétaire général du RER, c'est-à-dire le Rassemblement des enseignants républicains au niveau de Boundiali. Et donc, lorsque la rébellion a éclaté, mon engagement au sein donc du RGR m'a amené à adhérer entièrement aux actions de la rébellion. Et c'est à ce titre-là que j'ai occupé déjà depuis octobre la fonction de conseiller du commandant de secteur de Boundiali. Ensuite, j'ai été le responsable du cabinet civil des forces nouvelles au niveau de Boundiali. J'ai été aussi, dans le cadre du sauvetage de l'école engagée par les forces nouvelles, le coordonnateur de l'ONG École pour tous à Boundiali. J'ai été aussi le coordonnateur du C2E, comité école examen. Au niveau donc de la CNO, j'ai été aussi dans le cabinet du secrétaire général des forces nouvelles, Guillaume Kibafori Soro. Voici déjà les quelques missions que j'ai eu à mener sur le plan politique au niveau du RDR et au niveau des forces nouvelles. J'avoue personnellement que J'ai été surpris parce que le 8 juillet, il y a eu l'Union des terroristes qui a fait son activité. Et puis le 10, le lundi qui a suivi, pendant que j'étais en réunion de cabinet, on m'appelle pour me signifier mon licenciement. Sans raison aucune, c'est après, lorsque nous avons mené des investigations, nous avons été informés que j'ai été licencié parce que, un, j'étais présent à cette cérémonie et deux, je fais partie des lieutenants du président Guillaume Soro. Et comme lors de cette cérémonie, il y a eu des propos que les gens n'ont pas appréciés, on a trouvé que par notre silence, nous avons approuvé ces propos et c'est pourquoi j'ai été licencié. Et après moi d'ailleurs, tous les responsables qui avaient été présents, tous les proches de Guillaume Soro qui étaient présents et qui occupaient des fonctions au niveau de l'administration ont été limogés la même semaine. Et donc cela montre clairement que c'est pour cette raison essentielle que j'ai été limogé. Rien d'autre que ça. Je ne pourrais pas donner de nom. Je sais seulement que la ministre a reçu des consignes claires. Elle a reçu des instructions venant de sa hiérarchie demandant à ce que je sois débarqué, je sois limogé de son cabinet, du cabinet, parce que justement, je fais partie de ceux-là qui auraient donc cautionné des propos malveillants à l'égard du chef de l'État. Ah non, pas du tout, parce que ce n'est pas la première fois. Je rappelle que en 2015, lorsque j'étais le directeur général de l'INFES, alors pas un pur hasard, ou bien c'est vraiment une coïncidence assez bizarre, il a fallu que je fasse de Guillaume Soro le parrain de la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l'INFES, que tout un processus se mette en place pour procéder
à mon débarquement. Et je tiens à vous informer que cette cérémonie-là a eu lieu, mais sans le parrainage de Guillaume Soro, qui lui a eu l'occasion de rencontrer ses filleuls, qui a échangé avec eux. Mais lorsque j'ai été débarqué, bien entendu, la cérémonie a eu lieu, mais le président Guillaume Soro n'a plus été paré. Voilà la raison essentielle pour laquelle j'ai été limogé. Oui, vraiment, j'avoue que face à ce qui m'arrive moi et ce qui arrive aussi à mes collègues, j'ai un regret. Un regret parce que ceux qui hier ont été victimes de la dédramatisation de l'administration, c'est-à-dire un phénomène qui a consisté à éliminer, à limoger tous les proches du président Ouattara de l'administration publique, ceux qui ont été hier victimes de cette politique, sont ceux-là aujourd'hui qui procèdent à ce qu'on appelle une désororisation de l'administration. C'est-à-dire limoger de l'administration tous les proches de Guillaume Soro qui occupent de hautes fonctions. Pour moi, vraiment, c'est un regret. Un regret que vraiment les victimes d'hier soient devenues aujourd'hui des bourreaux en matière d'administration. Vraiment, c'est un grand regret pour moi. Mais j'avoue que c'est une fierté aussi pour moi d'avoir été limogé pour Guillaume Soro. Parce que je dis, Guillaume Soro est un homme en qui il faut vraiment avoir croire. Guillaume Soro est un homme qui a toujours eu le soutien de ses proches, de ses frères. Guillaume Soro est un homme, comme on dirait, bien. Alors j'avoue que pour moi c'est une fierté parce que je constate tout simplement que j'ai été limogé parce que j'ai été fidèle et loyal à Guillaume Soro. Et les gens ne font que renforcer, ils n'ont fait que renforcer cette fidélité et cette loyauté-là que j'ai vis-à-vis de Guillaume Soro. En tout cas, pour ça, je leur dis merci parce qu'ils m'ont rendu encore beaucoup plus motivé dans mes actions auprès de Guillaume Soro. Ben, désormais, je suis fonctionnaire. Donc, je suis à la disposition donc de l'administration publique. Mais en attendant qu'on ne me confie à une autre tâche, ben, je vais mener mes activités politiques auprès de Guillaume Soro. Je vais mener mes activités politiques à ses côtés. Et je pense que c'est déjà pour moi une grande source d'enrichissement et c'est une grande source d'occupation. Alors, pour que moi je ne sois plus RDR, il faudrait que ce soit vraiment une décision qui vienne de la direction du RDR, qui me chasse du RDR. Sinon, je suis militant du RDR et je le serai. Mon dernier mot, je voudrais vraiment lancer un appel à tous les sympathisants de Guillaume Soro, à tous ceux qui ont de l'amour pour Guillaume Soro. Je voudrais leur dire que ces limogeages que nous avons subis ne doivent pas être des choses qui les bloquent. Au contraire, je pense que ça doit plutôt les motiver. Donc, je voudrais leur dire que ce combat auprès de Guillaume Soro est un combat qui n'est pas facile. Donc, il faudrait que tous ceux qui le fassent aient, comme on dit, une carapace dure. Il faut qu'ils soient prêts à accepter, à encaisser tous les coups qui vont venir, parce que les coups vont toujours venir. Mais c'est plus vous encaissez les coups que vous allez de l'avant. Le président Guillaume Soro le dit toujours, quand c'est dur, seuls les durs avancent.